La Hot Tub Stream Meta, c'est le doux nom qui a été donné pour décrire les pratiques des streameuses qui ont trouvé le succès en proposant du contenu consistant à interagir avec les viewers, le tout dans un jacuzzi. Et vu comment ça marche, croyez-moi que des centaines de litres d'eau ainsi que de la peau fripée, on en a vu ces derniers mois sur la plateforme. Le concept commence en décembre 2020 quand une certaine streameuse nommée XO Ariel achète sur Amazon un jacuzzi gonflable, quelques petites lumières LED et laisse la magie s'opérer, voyant ses statistiques monter de manière assez significative comme le montre ce graphique. Et c'est d'ailleurs un graphique qu'on peut observer chez énormément de créatrices de contenu adeptes de ce genre de live. Celui-ci par exemple représente les stats de IndieFox, une des pionnières si on peut l'appeler comme ça de ce genre de stream, et il est très révélateur du succès parce que après 4 ans à stream pour une toute petite base de fidèles, son channel a réellement explosé depuis qu'elle a effectué cette transition. Alors maintenant, on va sortir un petit peu du script de la vidéo avant de revenir sur le fond de l'histoire. Je sais que c'est un sujet qui est assez polarisé, qui suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux et même parmi les créateurs. Hein, combien de fois est-ce qu'on a vu des personnes se plaindre de ce genre de contenu en mode ça n'a pas sa place sur Twitch, ouah, Twitch devient un site de cam, c'est scandaleux, machin, machin. À titre personnel, depuis quelques mois, dans ce genre de cas, j'utilise une logique qui est assez bête mais à mon sens très efficace, blame the game, not the player. À savoir qu'au lieu d'en vouloir aux personnes qui restent dans les limites du cadre qu'on leur a défini, il est plutôt logique d'en vouloir aux personnes qui définissent ce même cadre. Donc pour être plus concret, est-ce que les règles de Twitch permettent de faire ce genre de contenu, oui ou non? Alors si oui, je peux avoir mon avis sur la nature du contenu, est-ce que c'est pertinent ou pas, est-ce que c'est intéressant ou pas? Bon, personnellement, en l'occurrence, je trouve que c'est pas super intéressant, mais au-delà de ça, ça reste mon avis personnel, et je vais pas m'en prendre aux personnes qui le font, et limite, si je devais en vouloir à quelqu'un, ce serait plus à la plateforme qu'au créateur. À savoir quand même qu'entre le moment où je viens de record cette vidéo et le moment où elle va sortir, Twitch a annoncé la sortie d'une nouvelle section sur son site dédiée au stream piscine, jacuzzi, hot tub et tout consort. Donc vous pourrez retrouver tout votre contenu préféré dans une section qui y est dédiée. C'est Dieu qui donne. Et il y a aussi des gens qui disent qu'il y a un petit danger dans ce genre de contenu dans la mesure où des enfants peuvent parcourir Twitch et tomber sur des streams un petit peu limite. Et il y a clairement un fond de vérité. Franchement, rien à dire, on va revenir dessus. Mais faut aussi se dire qu'il y a des gens qui se servent de ce genre d'argument avec un petit peu d'hypocrisie et simplement pour chier sur des meufs parce qu'on va pas se mentir, c'est un petit peu la mode d'être misogyne sur internet, et dans le fond, les enfants qui tombent sur ce genre de stream, ils s'en battent les couilles, hein, ça transpire un peu l'hypocrisie, on peut se le dire. Mais en disant ça, je reviens sur l'histoire d'Eric Estavillo, est-ce que vous en rappelez? Vous avez fait une vidéo dessus il y a un an, c'est cet homme un petit peu taré sur les bords qui passait sa journée à se branler sur des streams, donc je vous en avais parlé l'an dernier, et qui avait porté plainte contre Twitch en affirmant notamment que la plateforme ne faisait rien pour permettre de trier les lives et d'empêcher des malades ou des enfants de passer devant ce genre de contenu. Bah, Eric a perdu son procès en novembre 2020, pour faute de preuves, la Hot Tub Meta a commencé en décembre 2020 et je me demande si elle lui aurait peut-être permis de gagner ce procès en fournissant des preuves supplémentaires. Bref, on va en revenir au sujet principal. La streameuse amourante, une des plus grosses créatrices en termes d'ASMR, live IRL, jacuzzi en tout genre, s'est vue récemment démonétiser sa chaîne Twitch. C'est-à-dire que pour la première fois depuis des mois, la plateforme a pris une action contre ce genre de live en ne permettant pas à une de ses créatrices principales de diffuser des pubs sur sa chaîne, même si les revenus tels que les subscribers ou les dons sont toujours possible, et ça crée un énorme précédent. C'est une des premières fois que Twitch s'expose de cette manière et prend ce genre de décision, sûrement suite à la pression d'annonceurs qui ne voulaient plus être associés à ce genre de contenu, un peu comme YouTube à une époque qui a dû revoir totalement une bonne partie de ses conditions de monétisation, avec les dérives qu'on y connaît, notamment au niveau du bot qui à des moments fait un petit peu n'importe quoi et qui fait que des vidéos se font démonétiser quand elles ne devraient pas l'être. Donc pour Amourante, et elle l'a déclaré sur Reddit, le fait de plus pouvoir mettre de pub sur sa chaîne, c'est une perte de revenus de plus de 40 000 $ par mois, un demi-million à l'année. Et même si elle compense ailleurs, hein, parce qu'elle a notamment l'équivalent de 20 000 subs, ce qui doit te faire au bas mot avec un contrat semi-correct, 70 000 € de chiffre d'affaires mensuel sans compter tout le reste, ce demi-million perdu reste une grosse somme, mais même au-delà de la simple valeur de l'argent, c'est une belle phrase, ça reste une décision qui fait débat pour plusieurs raisons. Le streamer Destiny, par exemple, qui a perdu son partenariat Twitch, lui aussi, il y a un an à peu près sans trop de raisons à ceci, considère que la plateforme enfreint ses propres règles en prenant ce genre de décision. It is really weird though that you can like lose your ad revenue with no contact. I'm like 95% sure it was a violation of my contract because I've read through it a few times. I did when we were fighting over things. And I'm supposed to have time to remedy breaches. It's like a 30-day remedy period, or they have to inform you if they're cutting off the contract. Like it has to be like a written statement for why. They can't just say you broke it. En fait, dans le contrat de partenariat, il serait stipulé que si un streamer enfreignait des règles, il doit se voir disposer de temps pour pouvoir régler le problème et ainsi continuer de respecter le contrat. De même, si le contrat devait prendre fin, il devrait avoir une réelle annonce écrite avec des raisons
raisons qui sont expliquées, etc., etc. Pas un simple mail qui dit « T'en feras les règles, ciao, on veut plus de toi, cousin !» Le genre de dérive que ça pourrait créer serait que Twitch serait tout à fait à même de décider arbitrairement et sur une base qui ne respecte pas forcément leurs propres règles, qui pourraient être monétisées ou non, qui pourraient rester partenaires ou non. Pas au-delà de le devenir, parce que de toute façon, ils font déjà de la sélection sur qui le devient. Et bien que ce soit compréhensible que la plateforme s'adapte un petit peu sur les annonceurs et tout en rappelant que ce genre de stream jacuzzi a déjà eu son lot de dérives, hein, IndieFox dont je vous avais parlé, elle s'est déjà fait bannir pas moins de 4 fois. Une autre créatrice avait même déjà filmé son trou... C'est bon, t'as compris, frère, hein, son trou de balle, et elle, ici, s'était fait ban quelques jours pour ceci. Et bref, je dirais que dans la manière d'opérer, de prendre sa décision et de l'expliquer avec plus ou moins de clarté, Twitch n'a pas été terrible et aurait pu et dû clairement faire. Surtout quand on sait que la boîte n'arrive pour l'instant pas à tenir ses objectifs financiers, ce qui doit constituer une petite pression supplémentaire vis-à-vis des annonceurs, les cordons de la bourse, et peut du coup aboutir à ce genre de décisions qui ne font pas l'unanimité, comme par exemple l'annonce des pubs random. Donc en fait, si vous voulez, il y avait quelques mois, alors je sais pas où ça en est, peut-être que ça a été abandonné, mais il y avait une sorte de semi-annonce de Twitch qui expliquait que pour les streamers qui mettent pas beaucoup de pubs, bah par exemple vous en avez un ici, hein, moi je mets pas trop de pubs sur mes lives, il pourrait y avoir chaque heure une pub automatique à un moment random pour pouvoir bah du coup générer des sous, en passer une, sauf que bah c'est un petit peu naze, parce que du coup si toi t'es un streamer et t'aimes bien, tu vois, ramener de l'action sur tes lives, ne pas les entrecouper de pubs, bah ça casse les couilles, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est juste pour illustrer un petit peu la pression que pourraient mettre des annonceurs sur la plateforme, et à mon sens cette histoire d'amourante l'illustre également très très bien. Ce genre d'histoire rappelle que le monde de Twitch n'est pas toujours rose, et que derrière le joli rideau de l'amour de la création du contenu, des jeux financiers beaucoup plus gros peuvent se jouer et aboutir à des choses pas toujours hyper saines. Donc vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous soutenez Twitch dans la démarche? Est-ce que vous êtes plutôt du côté d'amourante? Est-ce que vous êtes peut-être entre les deux, en mode ok, Twitch a peut-être raison, mais la manière dont ils l'ont fait, c'est pas terrible, ou alors ils ne devraient pas être à même de virer quelqu'un de cette manière, quand bien même elle fait des streams jacuzzi ou quoi, parce que ça crée un précédent qui peut être dangereux, et peut-être, bon, je vais utiliser le mot liberticide, c'est pas exactement ce que je veux dire, mais vous avez compris. En tout cas, dites-le moi en commentaire. De même, ça vous dit, je vous ferai peut-être une V2 de la vidéo s'il y a des updates intéressants qui venaient à se faire, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc merci à vous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, comme ça, bah, ça fait des vues, voilà, tout simplement. Sur les Z-Stories, en ce moment, j'ai envie de me recentrer sur des sujets un petit peu plus d'actualité, quitte à faire des vidéos peut-être un petit peu moins longues, un petit peu moins fournies, mais un peu plus dynamiques avec des sujets cool. Si ça vous a plu, bah, comme d'hab, hein, vous avez une section qui vous est réservée, et je vous dis à la prochaine, les amis. Des gros bisous sur vos fesses. Ciao, ciao.